la collaboration Iron, comment ça s'est passé, avec qui vous avez travaillé, le beat là, c'est quoi Arma Piano, c'est quoi le truc, tout ça, explique-nous tout, voilà. J'avais fini d'enregistrer C'est Toi justement, j'étais au studio avec Manu Beat, et puis je lui ai dit, je vais essayer un truc à ma piano. Okay. Donc il a fait le beat, j'ai écouté, dit ça, je peux pas poser seul dessus. Ah ouais. Et puis on a réfléchi, j'ai dit, je vois bien rappeur, et tout de suite j'ai pensé à Iron. Mais pourquoi tu n'as pas pensé à KS Bloom? Pardonnez, enlevez le nom de l'équipe Arom sur les nains. C'est juste une rigolade. Voilà, on peut cette plaisanterie. Iron, on te fait un gros big up. On t'envoie beaucoup de force et merci pour cette très très belle collaboration. Et Yann, faut rappeler également que tu as un gros spectacle à venir. On en parle justement. Oui, un show qui est prévu dans une semaine justement. Ok. Le vendredi prochain à partir de 17h du côté de la. Je peux dire le vendredi. La Rose Blanche. Le vendredi, c'est. Attends, le premier, c'est vendredi prochain. Oui. Ouais. C'est à quelle heure? C'est un jour férié. À partir de 17h. Et c'est 17 gratuit. Heures. Je vous attends d'aller découvrir Yann sous toutes ses coutures. Sous toutes ses coutures? Il va porter quoi? Une Zaza, pas une Kita? En tout cas, tout le monde sera servi. En termes de goûts musicaux, tout le monde sera servi. Très bien. Du rap, du R&B, du Biama gospel. Non, pas Biama, attention. Non, quand même. Ok, pas, d'accord. Je t'ai dit, c'est pas de ma génération. Mais ton voisin, pourquoi il rigole? Non, c'est pas de ma génération. Je peux pas faire Biama, Joe. Mais c'est quoi? Mais tu as un problème avec ça? Tu as un problème avec le Biama? Non, c'est pas mon kiff. Ok. C'est pas ton kiff. Ça te définit pas ta personnalité. Sinon que tu respectes ça, mais toi, c'est pas non, ton kiff. Non, c'est une musique urbaine. Urbaine, ok. Voilà, ça marche. Les gens qui aiment, ils aiment. Ils aiment. Mais moi, je n'écoute pas. C'est pas ton truc. Ah, oui. D'accord. Donc, rendez-vous est pris le 1er novembre, c'est-à-dire vendredi prochain, 19h. Non, 17h. Attention. Et ça, c'est une fête des autres. C'est pour ça que les gens viennent à l'hôtel. Voilà, 17h. Et puis, on va commencer à l'heure. Je tiens à dire qu'on va commencer. Oui. Toi, tu es français, en fait. Et puis, tu as fait le Maroc. Donc, tu as côtoyé des hot sphères. Donc, je sais de quoi je parle, franchement. Là-bas, tu jouais toujours à l'heure. Oui. Je me rappelle. Et justement, les quelques clubs où tu as tourné, on peut en parler? Je fais pas la publicité. D'accord. Excusez-moi, d'accord. Okay. Excusez-moi beaucoup. Hein. Excusez-moi. Non, en fait, je sais même pas ce qu'il prend. Excusez-moi. D'accord. Ok. Excusez-moi beaucoup. Ok. Franchement, excusez-moi. Hein. Excusez-moi beaucoup. Hein. Le plus beau et chic studio d'Abidjan, de Côte d'Ivoire, de l'Afrique, voilà. Et c'est bien super ici. Ici, nous avons une vue panoramique justement sur le HKB. Et c'est le début du week-end. Nous sommes en compagnie de KS Bloom, présentation royal, avec Manu maintenant. Bah ouais. Embouteillage là-bas. Prédestiné à servir l'éternel, naître d'un père musulman n'était que le processus légitime et profond de son impactante rencontre avec le Seigneur et de sa mission de gagner des cœurs. Ses débuts dans la musique remontent à 2012 à Yopougon dans le rap. Bien que ce soit et que ce ne fût pas encore sa véritable vocation, son histoire commençait à s'écrire car il avait déjà trouvé le domaine où il allait évoluer et exceller. Sa conversion au christianisme évangélique le 9 octobre 2017 a marqué un tournant décisif dans sa vie. Et familier de l'atmosphère chrétienne par sa famille maternelle, cette transition n'était qu'une en 2018, un moment très important pour lui. Il passe naturellement du rap au rap gospel, répondant à l'appel de Dieu. Grâce à sa polyvalence musicale, zouglou, coupé décalé, R&B, il élargit son répertoire. Dieu, on va dire qu'il a allumé la lumière sur sa vie. Et les bénédictions ont afflué dès le début de son parcours, à partir de son premier album. Sa carrière a rapidement pris de l'ampleur, couronnée de succès et de reconnaissance, dont le trophée de meilleur rappeur ivoirien et bien d'autres, en plus de ses nombreuses collaborations comme celle avec la chanteuse nigériane Chidima sur le remix « C'est Dieu ». Malgré les polémiques et des opinions partagées après chaque sortie, l'essentiel pour lui, c'est Dieu. Et les cœurs qu'il souhaite toucher à travers sa musique. Passé de l'obscurité à la lumière, Souleymane Kader Junior Kevin Koné poursuit sa mission de gagner des cœurs et en bénéficie des grâces, car tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Le disciple est dans la place. Sans grand show. Bienvenue dans le grand. Belle présentation, belle introduction, très bien, très bien, voilà, KS Bloom c'est l'invité là, hein. T'es très, 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 très
Très, très bien. Tu vas bien? Et passion, c'est du toi, hein? Bah oui. Ouais, tu vas bien, ça va, hein? Ouais, ça va. C'est quoi son petit nom, là? Souleymane, c'est ça? Ouais, Souleymane. Calais, s'il te plaît, tu peux me rappeler, tu as fait le Prémude, c'est le dernier, non, le dernier Prémude? Non, 2022. 2022. C'est quoi, tu as eu ta maison? Non. Non, pas encore? Pas encore. Non. Justement, là, tu as la possibilité de passer un message aux Prémudiens, aux gens du Prémude. Non, mais justement, la maison vient. Ah, la maison vient. Ouais, vous êtes parlé, au fait. La maison est sur... Le bateau. Sur le bateau, ah, ok. Non, mais plus sérieusement, les choses sont en train de se faire. J'ai confiance aux organisateurs, okay. Et, en l'occurrence, à mon vieux Mollard, qui est assez sérieux dans ce qu'il fait, donc... Non, voilà. ton club ne bat pas, c'est comme ça on dit à Abidjan, ton club prend pas l'eau. Tranquille. Ok, d'accord, voilà, chers auditeurs, vous avez remarqué, nous sommes avec le disciple. Dès qu'il y en est arrivé, il y en a dit, mais le disciple est où? Mais tu étais où depuis? Il était dans la voiture. Et tu faisais quoi dans la voiture? Tu avais une mission aussi, tu te mets une mission, c'était dans la voiture. Pardonnez-moi. Il y a qui l'a continué, il dit non, c'est mieux, on va arrêter. D'accord. Je vous demande merci. Voilà, chers auditeurs, vous l'avez remarqué, ils sont avec nous, c'est bien sûr Yann, une belle actualité, et KS également, une belle actualité. Et on se reprend juste après ça. Il faut rappeler que ce sont eux les invités, c'est lui l'invité. On y va. Aussi à part Didier. Il y a Fio, il y a Suspect. Comme j'ai dit, je m'entends avec beaucoup de gens. En fait, tu es proche des rappeurs, en fait. Mais non, pas que. Parce que tout ce que tu cites là, sont des rappeurs, Suspect, Fio. Non, après, c'est les artistes, c'est ma génération, tu vois. C'est à peu près le même truc. Après, il y a les vieux pères, tu vois. Comme Venom, le Cascadeur, c'est mon grand frère. Azaf du Ciel. Ouais. C'est un père à moi, tu vois. D'accord. Donc, tu es en mission pour les envoyer vers Dieu, ou bien. C'est la mission de tout chrétien. J'ai dit depuis mon premier concert sur au Palais de la Culture, mon premier. Le tout premier, ouais. On a vu sur scène avec moi Suspect Pierre de Bio, qui est venu même faire popopopo sous aller. sur la scène. Ah, c'était chaud quand même. Ouais, le premier concert, peut-être que vous aurez les images après, mais. Ça n'a pas choqué quelqu'un? Les gens étaient à la maison. Mais après, on s'est ressaisi. Okay. Mais en vrai, derrière le message, c'était montrer aux gens ce que moi, je pense de la vie chrétienne. Je pense que le Seigneur n'est pas là pour les bien portants. Ça, c'est clair. Que tout le monde soit libre de venir dans la présence de Dieu. Et après, on voit vraiment que c'est de bonnes guerres, même sur les réseaux sociaux, qui Pierre de Bien qui te dit, bah, lui, il veut voir la bière qui est dans ton frigo, tu vois, tout ce genre de trucs. Donc, on voit que c'est vraiment la famille. C'est Mais ça. Depuis que tu t'es converti, qu'est-ce que tu as arrêté? Tout. Tout ce qui est vice. Moi, j'étais accro à la cigarette. J'étais accro aux femmes aussi. Ici, beaucoup. Tu vois. Ma vie a totalement changé, quoi. Mais c'est quoi cette histoire de boisson? La drogue, la boisson aussi, tout ça. Oui, moi, c'était pas trop mon kiff, la boisson. C'était plutôt la drogue, la cigarette. C'était plus la cigarette et les femmes. Et les nanas. La drogue, c'était une fois en passant, mais ça m'allait pas, du coup, donc. Mais comme j'avais des compagnies, tu es rappeur, il faut te jouer les games. Les games? L'influence. Je ne joue pas qu'à niveau. Donc, quand le truc tourne, ça peut pas te sauter, tu es obligé de prendre aussi. Yeah. C'est comme ça que moi, je prenais ça. Sinon, ça n'a pas. C'est vrai, depuis que tu as arrêté, t'es encore plus sorti. Le péché revient. Parce que, non, je te dis, pas forcément l'argent. Hein, mais après ma conversion, moi, j'ai mes images, mes vidéos, je peux vous montrer tout à l'heure. Comment j'étais devenu, j'avais rien. En ce moment, j'étais un agent commercial. Je me promenais pour vendre les savons, les parfums. Mais c'était bien. Tu as rencontré ton ex là. Au moins, ils sont bien. C'était pour deux frères aussi. Mais pas deux frères. Où il a rencontré son ex? Il avait raconté que quand il vendait en tant que commercial, il a rencontré son ex. Tu peux nous relater cette anecdote là? Oui. Bon, tu vois, le genre d'ex où vous êtes. C'est pas bien fini là. Aimé. Ok. Tu vois, non? On s'est vu une fois. Ok. Le feeling était bien. Mais quand elle est rentrée chez elle, elle m'a pas dit qu'elle est arrivée. Moi aussi, je lui ai pas demandé si elle est arrivée. Donc, go-get, on s'est plus écrit. Attends, y'a des mots là. Elle l'a vu une journée. Tu vois un peu. Ça arrive, ce genre de. Et ça là, et nous on était bizarre avant. Hein. Tu vois, donc, un jour, c'est-à-dire des années après, moi je fais maintenant que je suis converti, je passe par l'étape qu'on appelle le brisement. Bon, ça c'est un peu pour nous les chrétiens. Voilà, donc
où je commence à vendre les savons, parfums et tout. Et un jour, je sors parce que moi j'avais, voilà, du tic au tac. Ah, la vieille m'a dit quoi. Donc, j'ai vu la fille en question. J'ai pas regardé son visage. Ah, la vieille m'a vendu savon, parfum, elle a déposé mon panier. Quand j'ai soulevé ma tête, c'est elle qui est là. Mais je peux pas lui dire que c'est moi. Que c'est elle. Elle sait que c'est moi. Je sais que c'est elle. Mais il n'y a pas quelqu'un qui a dit. Qui va dire, mais toi là, comme si, genre pour engager la causerie. Ma vieille, mais elle est parfum, elle est savon. Non, mais il y a. Elle sourit. Elle a souri, elle dit. Elle n'a pas tout, mais elle a acheté un truc. Elle est belle au bout. Oh là. On m'a soutenu. Vas-y, vous verrez. C'est ta honte. On va rester dans ce. Dans cette même. Qu'on appelle ça. Vas-y, dis ce que tu dis là. Cette même veine. Dans cette même veine. Quand tu vendais les savons, pardon, c'était quoi ta chanson pour attirer les clients? C'est que t'as dit. J'y suis. J'avais une chanson. Crème contre un matin pour mat de cheveux. Crème contre un matin pour mat de cheveux. Crème contre un matin pour mat de cheveux. Franchement, désolé de bisser et rebisser cette chanson là. Franchement, moi c'est mon coup de cœur, c'est mon kiff de ouf. Vraiment, ton maître de chant quand c'était chaud sur moi au Maroc, qu'est-ce que j'écoutais. Hein? Chanson qui laisse parler d'elle-même. Qu'est-ce que tu nous expliques un peu, tu nous parles de cette chanson. Moi, tout ce que j'ai chanté, je dois expliquer. Ouais, c'est ça, les paroles sont trop claires, les gars, s'il vous plaît. Voilà. Mais il y a Gédéon qui a répliqué, là. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, comment toi, tu vois, Josie. Bon, voilà, mon grand frère qui est là. C'est le méta, quand même, t'as vu. Regarde, tu prends la défense de ton petit frère, quand même. Qu'est-ce que Gédéon a dit? Il a dit quelque part là. Mais il a parlé du fait de se goûter, présenter avant de prendre la go. On ne peut pas goûter sans marier. Il faut goûter avant de marier, comme l'a dit le père Gédéon. Mais lui-même, il a dit est-ce que c'est à checker? Dans le Pokémon, c'est à checker, on goûte avant de payer. On goûte à checker avant de payer, ça. Oui, aïe. Ça, c'est où ça? C'est où? Ah, c'est dit, maintenant, on goûte plus. Hein. Ça dépend des vendeurs. Ça dépend des vendeurs. Quelles sont alignées, quelles sont nombreuses à vendre. Même à checker, c'est respect. Oui, chacune fait le pour faire goûter son ticket pour que ça. Tu fais ça avant, elle dit qu'on on goûte plus. Ah. Mais même à checker. Tu pars, tu achètes et puis tu manges. Même à checker, on goûte plus. Ça veut tout dire. Bon, comme il y a une affaire de goûter, là, voilà ce qu'on va faire. Moi, je vais vous faire goûter un défi. Ok. Et c'est maintenant. Le grand show. Le défi de Ricky. Le grand show, belle ambiance par ici, oui. Nous en compagnie de KS Bloom, également de Mr. Yann. Yann qui nous donne rendez-vous le 1er novembre prochain à la Rose Blanche pour un showcase exceptionnel. Voilà, on part là pour le défi. Là. Alors pour le défi, je pense que je vais annoncer puis ensuite passer de l'autre côté pour composer un numéro. KS va faire un canular à une de ses fans. Okay. Alors, je lui ai déjà expliqué le canular, comment est-ce qu'il va la prendre. On l'explique. Comment est-ce qu'il va la prendre? Comment que c'est la toute première fois. Disons que. Que quoi? Que je vais prêter à ce jeu. À ce jeu. C'est comme ça, c'est comme ça. De parler avec une fan. C'est comme ça le défi. Le défi est raté. Donc, entre temps, je vous laisse avec KS et puis. Non, tu me rappelles. Ce qu'on va faire pendant que Ricky trouve la piégée, voilà ce qu'on va faire. Moi, par contre, je vais te poser tranquillement sur le tabouret chaud. Voilà, le tabouret chaud, une autre articulation justement de cette émission et c'est maintenant. C'est quoi, c'est moi? Oui, c'est toi. Oui, c'est toi. Tabouret, ça, c'est quoi? Ce sont des questions qu'on te pose. Ok. Dites-moi. Voilà, KS Bloom de retour. Franchement, à l'occasion de son anniversaire, justement, il nous a présenté sa belle actualité musicale. KS Bloom est dans le grand show. KS Bloom qui se part ici, KS Bloom par là. KS Bloom, Mr. Primude, KS Bloom, beau gosse, KS Bloom, la taille, KS Bloom. KS Bloom, dis-nous, serais-tu prêt à prester en boîte de nuit à l'occasion, si l'occasion se présentait? Oh, attention, non, reprends. Vas-y, tu dès as dit quoi, là? Que le Seigneur me dit paix, je fais. Tu peux jouer dès que tu sens la paix. Dès que j'ai l'autorisation du Seigneur, je fais. Seigneur. Non, tant que le Seigneur ne peut pas faire. Je ne peux pas faire. Ok. Et c'est lui qui doit prendre ma défense là, c'est lui qui doit me donner le go. D'accord, super. Quels sont tes rapports avec les chantres de l'ancienne génération? Bah, c'est mes pères. Ok. Oui, on s'entend. Mm-hmm. Je perds bien. D'accord. Voilà, on a quelqu'un au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir.
C'est pas madame. Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est mademoiselle Tania. Oui, c'est elle-même. Ok, désolé de vous déranger. Sauf que vous avez effectué une livraison en ligne. Et le livreur, il est passé. Ça fait près d'une heure qu'il essaie de vous appeler. Vous ne prenez pas votre téléphone. Une livraison en ligne de quoi? C'est bien, mademoiselle Tania, vous êtes à André Château, non? Ne quittez pas, ne quittez pas. Oui, monsieur, je vous écoute, excusez-moi. Donc, je demandais... Oui, je demandais juste, mademoiselle Tania, il y a un livreur qui est oui, passé. C'est elle-même au téléphone. C'est une livraison de quoi? Je ne sais plus, en fait. Vous savez pas? Je ne sais plus. Vous n'avez pas commandé une chaussure? Une chaussure? Oui. Mais non, je n'ai pas commandé de chaussure. Je n'ai même pas parlé à quelqu'un aujourd'hui par rapport à une chaussure. Vous... C'est le numéro qui est écrit sur les paquets, patron. C'est ça que je suis en train de dire, là. André Château, mademoiselle Tania. C'est bien André Château, votre quartier, non? Oui, je suis André Château, résident, c'est midi, mais je ne vois pas de quelle chaussure qui coûte combien. Je n'ai même pas le prix. Non, mais le truc, c'est que vous avez commandé le truc. Le livreur est arrivé depuis. Il ne fait que vous appeler. Mais au moins, prenez votre téléphone quand on vous appelle. Je n'ai rien reçu comme appel d'abord et je ne sais même pas de quelle commande il s'agit. Je ne sais pas. Mais madame, non, on ne peut pas inventer les commandes. Si vous n'avez pas commandé... Qu'est-ce que vous inventez, monsieur? Si je ne me souviens pas, je n'ai pas de réponse, je ne me souviens pas. Vous voulez que je vous dise quoi? Je ne peux pas attendre un livreur exprès ou bien parce que je suis seule. Bon, comment nous on fait? La chaussure est là, le livreur est là. Tania, Tania, c'est monsieur Kaes Bloom. Tu en direct sur Live Radio. Voilà. C'est Kaes Bloom. Vous m'avez mis dans un truc. Ah, mademoiselle, vraiment... Tu me permets de te tutoyer, vraiment. Tu as un sang-froid vraiment qui vient d'en haut. Parce que là, c'était moi, il y avait coupé depuis. On est ensemble et on est sur Live Radio. Ouais. Que Dieu te bénisse. J'espère que tu as aimé la petite surprise. Oui, vraiment. Merci beaucoup. J'ai adoré. Si le livre vient, il faut décrocher. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Allez, bye. 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 Je poursuis là, dis-moi, tu as un cas à prendre actuellement? Laisse affaire du cœur là, concentrons-nous sur l'évangile. Quel évangile? Mais en même temps, il y a dans l'évangile là, je dis les filles que tu vas évangéliser, là, peut-être qu'il y a certaines qui sont amoureuses de toi. Concentrons-nous sur le message. Tu as combien d'enfants, c'est ça? Concentrons-nous. Tu as combien d'enfants? Combien de? D'enfants. Combien d'enfants? Ouais. J'en ai plusieurs, hein. Plusieurs. Oui, tu sais, quand tu as un aîné. Et non, on parle pas d'aîné, on te parle de ton enfant, de tes enfants. Mais est-ce que moi, il était là, je suis venu te parler d'enfant. T'as ok, t'as mon enfant. Ok. C'est pas comme j'ai dit, tu as plusieurs enfants. Ah, tu viens en concubinage avec quelqu'un ou de manière traditionnelle? Là, mon coach, même, c'est moi qui veux pas. Bah, il se moque pas de moi, il se moque de toi. Mais... moi, je ne fais que poser la question que les auditeurs, que tes fans. Non, j'ai personne officiellement. Ok. Oui. Mais officieusement, tu... Non, tu, je parle avec des personnes, ouais, mais j'ai pas de... Voilà. Quand ça sera ça, okay. Je parle avec des personnes. Tu parles, voilà, il y a Manu qui demande, tu parles avec des personnes. J'ai entendu, oui? Tu parles avec des personnes. Oui, j'ai des amis. Non, tu as plusieurs copines, amis, c'est ça? Ah, tu as plusieurs copines, filles? Non, j'ai plusieurs amis. Mais pourquoi? Oui, mais ça commence par là, une relation commence par l'amitié. Tu connais pas quelqu'un, tu viens te mettre en couple avec quelqu'un. Ah, d'accord. Donc tu parles avec elle toute, au fait? Non. Elle, c'est-à-dire. Non, il a dit plusieurs, non, c'est pas ce qu'il a dit. Non, j'ai plusieurs amis, filles. Filles, ok. Voilà. Mais c'est quoi ton genre de femme? C'est quoi ton genre de femme? Chrétienne, à la base. Belle.
et belle ça dit clair ou noir en forme ou skinny. Non, j'ai pas de ça, c'est pas trop bon. Pas de spécificité. Ouais, belle seulement. Ouais, ouais, joli. Voilà. Et pris beaucoup. Grand détail. Et après tu as dit je pense sur une télé ivoirienne que il y a tellement de personnes qui tellement de femmes qui viennent vers non, qu'il y a pas de femmes qui viennent vers toi. C'est ça? Oui. Il y a pas de femmes qui te courtisent actuellement. Avec ton rang, ton grade, ta position. Bon, si, plusieurs. Forcément, parce que de façon. Pas de. Elles le font d'une manière, tu vois. Oh, c'est pas officiel. Ouais, c'est pas bien, genre. Genre les techniques d'approche, non, voilà, les TAP, c'est stylé, tu vois. Elles font genre. D'accord, il n'y a pas de souci. mais dis-moi, qu'est-ce qui te fait plus peur dans la vie? C'est de rater le ciel. C'est de quoi? De rater le ciel. De rater le ciel, bien ouais. Envoyé, bien dit. Ah. Super. Non, en vérité. En vérité. Vas-y, ça l'a fait. Mais dis-moi, est-ce que un jour, KS va arrêter carrément la musique, être pasteur pour gagner plus d'âme? Pourquoi pasteur? Là, vous voulez mettre ça sur moi, forcément. Non, et s'il y a l'appel? Si tu reçois l'appel? Justement. C'est ça, en fait. C'est ça, le problème, c'est qu'à un moment, tu n'as plus le choix. Si tu as appelé, tu es obligé. D'accord. C'est le commandant dit, il faut faire. D'accord. Mais je prie que ça n'arrive pas, parce que je trouve que le métier pastoral... C'est pas facile. Non, c'est un métier vraiment. On n'en a pas idée en fait. D'accord, on n'a pas idée. Dis-moi, tu as été au cœur d'une polémique récemment Léo Sama. Genre, on disait que tu faisais allusion à Arafat et tout ça. C'est quoi ton avis là-dessus? Là, il faut que tu parles, franchement. Hein. Parler de quoi? Non, il faut que tu dises. J'ai chanté ma chanson. C'est tous les artistes qui chantent là, ils viennent sur les plateaux pour expliquer la chanson. Chaque fois qu'il a chanté, il a dit Dieu, puis pas foutu. Il a dit que c'est polémique. Il a venu dire que truc. Léo, notamment, a dit que c'est polémique. On peut faire ça en venir dire que c'est polémique encore. Mais à un moment donné. Donc, toi, tu aimes bien les. Un artiste. Il essaie de mettre dans l'art. Il donne pas un message forcément que tout le monde va comprendre en même temps, tu vois. Ceux qui comprennent là, c'est que. Il match avec l'artiste. Ceux qui ne comprennent pas, bon, voilà. Moi, j'ai compris que c'était un message à donner de gagner des cœurs. Mais en même temps, est-ce que tu t'es inspiré de la vie d'Arafat? Ah, c'est ça la question. Ouais. Est-ce que tu t'es inspiré de sa vie pour donner l'histoire? J'ai parlé dans la chanson, j'ai parlé d'un personnage qui s'appelle Léo Sama. C'est ça. Donc, c'est Léo Sama. Mais on ne va pas se voiler la face. On sait que c'est... Enfin, je dis, dans ta démarche... Chacun est libre. Dans ta démarche, tu fais allusion à Arafat, c'est cela? Non, toi, peut-être, c'est parce que tu connais Arafat que tu fais le lien. Les Chinois se sont insurgés justement. Bon, en tout cas, toi t'as changé ta chanson. En fait, je dis par principe, je veux pas dire de nom. D'accord. Officiel, ah, ouais, tu vois, sinon j'aurais dit le nom dans ma chanson. Parce que après dire le nom officiel de quelqu'un, ça engage beaucoup de choses. Donc, j'estime que ceux qui ont compris dans ce sens, qui ont capté que de quel personnage. Tu as caricaturé pour passer un message, on retient le message. Voilà, c'est ça, c'est bon. D'accord. Et nous, on va retenir que tu nous fasses quelque chose. Parce que franchement, moi, ça faisait longtemps que j'ai même demandé à Rodrigue Gabi, à plusieurs personnes, il dit, mais toi, il dit, mais même au premier, il t'a dit, monsieur. À quel moment on fait l'émission? Non, là, tu as assis là, il faut que tu fasses quelque chose. Tu vas avec ton maître de chant. Ça, c'est comme tu veux. Tu as fait quelque chose, bro. Comment tu vois? Il y a des milliers qui nous suivent là-bas. Même ton gars, il a sa casquette. Mais il a attaché son visage. On a chanté l'album, mais ils vont aller streamer. Ils ont oublié d'aller streamer. Aïe, comment tu vois? Amuse-toi là. Applaudis-toi pour KS Blue. Il a rien dans le grand chanson sur l'iPad. C'est le beat, ça. Yeah. Ah, ça, c'est le beat de ma chanson. Bon, on va aller avec. Ouais. Écoute, cette injustice. Tu fais mal mais encaisse. Dieu t'a pas donné beaucoup de billets pour mettre les gens en pièces. Très souvent c'est bon de rester en solo. Beaucoup allaient tuer Jésus s'il avait vu marcher sur l'eau. Je comprends pourquoi ils me comprennent pas. J'ai mis du temps à comprendre mais au final j'ai compris que souvent moi-même je me comprends pas. Kevin contrôle toi. J'ai tellement entendu cette voix dans ma tête que j'ai dit bref je ne me contrôle plus. Et bien entendu je me suis perdu. J'avais besoin de tout le monde mais je n'avais que Jésus. Beko à qui je pourrais bien me confesser quand je sais que mon péché sera le sujet dans mon assemblée. Bref, Yuyu ne parle pas trop. Reste fort comme un senoufo. Mange ton cabato malgré tout ce que tu as traversé. Si c'est Dieu qui a commencé, bah tu sais quoi, il va fermer la bouche des babato. Ça y est, ça recommence. KS vous égare. Ce garçon là, façon il m'énerve. Ne juge pas quelqu'un que tu ne comprends pas. Sinon un jour tu risques de tuer Jésus et laisser vivre Barabbas. Fais-moi la passe. Si je suis ton frère, ne me condamne pas. Si je me confesse, au fond je sais qu'ils vont parler. Quoi que je fasse, Dieu regarde au cœur. Les pasteurs regardent nos tresses. Dieu regarde au cœur. Mais comme on a fait des tresses, ils disent qu'on ira en enfer. Du coup qu'est-ce qu'on peut faire? On se demande bien de quel Jésus il parle. Celui qui te jette dans le feu parce que tu laisses pousser tes poils.
La jeunesse souffre, mauvaise nouvelle. On peut pas rentrer au ciel parce qu'on n'est pas chauve. Pendant que tu parles de notre style, pendant que tu parles de notre musique, pendant que tu parles de mon public, mais où sont les âmes que tu sauves, man? C'est le you-you, c'est le commando. D'après le commandant, on va les commander. À cause de mes convictions, ils ont pris leur distance, hey. J'ai perdu des gens qui sont toujours vivants, hey. Vivant. J'ai perdu des gens qui sont toujours vivants. Et vivant. De loin, ils me guettent, ils m'écoutent en ce moment. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres aussi. Tu crois jamais au ministère des autres, tu veux qu'on croie au tien. Jesus. J'entends dire souvent, l'amour c'est pour les grands, hey. Si tu voyais le gourmet de ma grand-mère, hey. On fait tous des erreurs en amour, bro, y'a pas d'âge. Et c'est pour ça que la mort me fait moins peur que le mariage. Tu dis que tu m'aimes, ok, mais tu aimes Kevin ou bien KS Bloom. J'ai besoin de m'en rassurer, ça va vous paraître fou, mais je veux tomber, comme ça elle va m'abandonner. Et je vais lui dire, chérie, mais t'avais pas dit que tu m'aimais. Applaudissements, chérie, t'avais le chanteur de Petit Choco, KS Bloom. KS Bloom, c'est quoi ton actualité? Vas-y, vas-y, de ton casse. C'est le Zénith de Paris. C'est quand? Ouais. 3 janvier, on commence l'année en France. Yeah. Plus de 6000 personnes. Mm-hmm. Et voilà. Et voilà, Zénith le 3 janvier. KS Bloom, c'est au Zénith de Paris le 3 janvier. Et Mr. Yann, le 1er novembre à, à l'hôtel La Rose Blanche. On a plus plaisir, c'est le week-end. Allez, maintenant je dis au revoir. Ouais, bon week-end. Ricky, un bon week-end. Ouais, sois béni. Attention, moi il y a un bon week-end. Avec beaucoup d'onction. Mr. Yann, spéciale recommandation sur toutes les pages. On tape I-A-N-N. KS Bloom, Kevin, attention. KS Bloom, K-S-B-L-O-O-M. Il a dépassé, il vient là, mais il n'y a aucun problème. Allez, KS, allez, tu reviens quand tu veux, mais pas demain. Allez, on se tient. Allez, KS, spécial. Allez, petit choco. Bye bye, petit choco. Bon week-end.